Et nous sommes en train de regarder Chrysex, la numéro 50, Alpha Calif, qui va eh bien commencer son tour de qualification. C'est parti pour Chrysex qui passe la cinquième. L'élan pris par l'Alpha Tauri dans cette grande ligne droite de Jeddah. Vous inquiétez pas, ce circuit est absolument sûr comme le pays. Quoi, une explosion à 10 km? Non, j'ai pas entendu, excusez-moi. Et il commence son tour incroyable, bien passé. Bon, la sortie c'est pas ouf, mais tranquille. Il est beau, c'est l'essentiel. Il arrive dans le début compliqué du premier secteur. Incroyable, ça passe plutôt bien pour l'instant. Petit sous-virage parce qu'il est trop optimiste, terrible. Il va arriver à l'endroit où il fait... Ah non, ça va, il a pas coupé parce qu'en général il coupe ici, miskin. Attention, premier DRS du circuit, là, McLaren qui va lui laisser de l'aspiration, le banking, Thema Zandvoort. Nous avons changé d'emplacement très très vite, hein. Nous sommes au pays de Max Verstappen, et c'est parti tout simplement pour le deuxième secteur, ce virage encore une fois très rapide. Attends, mais on me dit dans l'oreillette qu'il y a virage, qu'il y a que des virages rapides, attention, il a touché, oh le nul, petit il dégâts. Pue la merde, petit dégât, on nous dit dans la radio, il a des petits dégâts. Ça va pas nous empêcher pour un virage, deux virages. Et il nous dit qu'il a pas besoin d'aileron dans notre oreillette. Ah si. Ah ben si, en fait, miskin. Il a parlé trop vite et vient de perdre 2-3 dixièmes. Qu'est-ce qu'il est nul. Bouh. Follow, unfollow. Mais il a pas de follower, donc ça va, tranquille. Et il arrive dans le dernier virage, il va freiner à 60 mètres avec son Alpha Tauri. Parce que ben, son tour est nul, du coup on a Tauri. J'adore. Non, je vais laisser l'humour à Arnaud sa mère. Et puis il arrive sur la ligne. Incroyable, il a plus de RS et il pue la merde, voilà.